C'est ton ami Claude! Oh. Il est tellement beau, ce chien-là. Il est trop beau. Il mange bien, en tout cas, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que t'insinues? Insinues-tu que mon fils est gros? Ben, il est pas gros, mais... Les commentaires, Claude, sur le physique des chiens, c'est non. Hey, là, je le sais, mais... Cancel Claude 2022. Ah, je fais avec les cordes en arrière. Mais je trouve qu'on fit un peu les deux. Oui, ensemble, avec ta petite camisole, très cochonne, on dirait. Très cochonne. Mais je trouve que le rouge, ça fait cochonne en plus. Oui, mais c'est vrai. J'en porte pas beaucoup de rouge. Moi non plus, mais veux-tu savoir pourquoi j'ai mis cette camisole? Pourquoi? Parce que je venais. Aujourd'hui, on parle de Red Flag! Mais bonjour tout le monde! Bonjour aux gens, parce que. Sérieux! Je suis back, là! Après deux mois, pas être sur YouTube. Yo, Chloé, elle a perdu. La dernière fois qu'on s'est vu, elle a perdu sa caméra. Ça, c'est à cause que je suis sortie avec Cass. On est sorti. Après, pour tourner la vidéo ensemble, on a sorti, on est revenu genre 3 ans augmenté. Okay, je me suis dit, en fait, moi et Chloé, on est en couple hein, depuis un moment. Oui. Mais on a été jadis célibataires. Et oui. Oh, Seigneur, oui. On en a vécu des vertes et des pommures. C'est quoi cette expression de pommures? Plus des pommures, je pense, dans mon cas, là. Ouais. Beaucoup de pommures. Fait qu'on en a vécu des pommures. Oui. On s'entend que quand on date quelqu'un, il y a souvent des gros red flags qui sont comme frappants. Ou qui sont pas frappants. Oui, mais que tu découvres par la suite. Oui. C'est pas mieux, t'sais. Non, mais malheureux. Très malheureux. Fait qu'aujourd'hui, on est là. Ouais, on est là, en fait, pour dire c'est quoi vos plus gros red. C'est quoi vos plus gros red? Ok. T'as-tu quelque chose à boire, t'es-tu correct? Ben, toi, tu prends quoi? Ah, je sais pas. Je me suis pas questionnée avant de te poser la question. Attends, je vais aller voir ce que j'ai. Quoi? C'est bon, qu'est-ce que j'ai? Ah! Hey, j'aime tellement ce vin! C'est ta bouteille! Pour vrai? Oui! C'est mon vin préféré! De la dernière fois que tu l'avais amené! Ben voyons, vous l'avez pas bu! Ben non! Ben là, pourquoi? Ben, je sais pas! C'est quoi, vous buvez pas de vin? Inspire pas! Attends, inspire pas! Attends, je vais la montrer à la caméra! Impossible! Oui! Hé, hey, c'est la merde! Même si elle était comme... Tu me dises! Non! Non, la gang! Hé, hey, non! Hé, hey, la gang, dites-y en commentaire, racasse! Les Amarones, c'est bon? Hé, hey, oui! Moi, c'est mes vins préf! Ah ouais? C'est une fucking chère à sac, là, tabarnak! Suivre l'histoire, c'est que Yann a le chien dans le bain. Elle veut pas l'avouer à ce jour. Ben, il sent bon! Agréable en odeur! Dans ce petit pot, j'ai écrit vos red flags, puis moi puis Claude, on va les piger, puis on va rire, puis on va les lire. Hey, mais... c'est fou, hein, gaspiller du papier pour ça. C'est quoi ton pire red flag? Il m'a amené au bar de danseuse. Ah, c'est là que j'ai vécu ma première date avec Ced. Ma première date! Ok, ben moi, il m'a amené au bar de danseuse, il m'a payé une danse avec une fille. Il me dit, tu pourrais y aller, toi, sur la scène aussi. Non, non, non. Oh, non, ouais, non, je sais que tu vas faire de même, ouais. Et le lendemain, il me dit, j'ai envie de toi. Je suis quand même, tu sais, je travaille, mais on peut se voir genre demain ou whatever. Ouais. Il dit, ah, oh, mais c'est pas grave, demain, je vais texter une de mes amies qui va pouvoir venir. Ben voyons donc! Hé, hey, j'étais de même. Ok, non, mais ça, c'est pas un red flag, c'est le gars entier, c'est un red flag. Ah, non, le gars entier, c'est un red flag. Tu dis la définition red flag. Ouais, vas-y donc, parce que. La définition d'un red flag. Attends, je l'avais noté avec toi. Ah, ok, tu l'as noté. Attends. Hey, hein? Non, 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 mais moi, je suis une youtubeuse investie dans mon travail. Ben oui, je vois ça, t'es full bonne. Ben, merci. Pour vrai, félicitations. Un red flag, ouais, c'est des choses qui te disent de faire attention. C'est ça la définition. Ouais. C'est vraiment juste ça. Ok. Ok. Mais c'est un gros travail de recherche que j'ai fait quand ben, même. Ben c'est ce que j'ai vu là. Je suis impliquée dans mon travail, je sais juste à le redire. Wow. Hey. Red flag number one. Ah oh, ouais, ok, good. Ah, il regarde et prend toujours son cellulaire pendant la première date. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas vraiment. Non, moi non plus. Mais pendant la première date, c'est vrai que ça doit être dans le maudit. Ben genre, je comprends pas qu'est-ce que t'as à faire de mieux que de me parler. Moi, je suis une femme incroyable et j'ai plein de choses à compter. Ben oui, moi je pense de juste le dire, genre. Ah ouais? T'sais comme, hey, tu auras des goûts. Pourquoi tu prends ton téléphone, tabarnak, on est dans le... Non, 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 non. Non, moi je dirais... Est-ce que, tu sais, est-ce que t'as besoin de... Est-ce que je t'emmerde? Non. Non. Moi, je dirais juste, t'as-tu besoin de temps, veux-tu appeler quelqu'un? La patience, c'est pas ma force. Moi, je suis patiente dépendamment des jours. Ok. Lundi, t'es patiente? Non. Ok, pas lundi. Non, je suis patiente toute la journée. Je suis patiente le matin, toute la journée, je suis impatiente le soir. Tout dépendant des heures. Oui. Ah, je comprends. Mais c'est pas le plus gros red flag de la vie. Non. On peut passer par-dessus ça. Oui, 100%. Un gars qui dit, j'espère que tu sais faire à manger. Arc, arc, arc. Non! Ça, c'est pas un red flag, c'est un cancer! Non, non, non.
et moi, je... est-ce que ça m'insulte? Oh, non, 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 mais moi, ça, j'ai l'impression que c'est genre le commentaire un peu le début de la pointe de l'iceberg, là. Oh, il y a ouais. plein d'autres crises de reste de commentaires misogynes dans ce style-là, ah, le chum, là. Si Satan, ce que tu lui fasses à manger, ça t'attend probablement à truc de ta part. Oui, c'est mais... ça, exact. Fait que non, flush-moi non, ça. Non, 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 mais ça, c'est un cas de tu cales ton verre pis tu t'en vas, tu. Ah, oh, ouais, là, genre. Trouve une excuse. Oh mon dieu, moi, je suis la reine des excuses. Ah, oui. Ne paye pas mon addition. Ouais, ça, j'ai lu ça. C'est pas tout ce que j'en pense. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis 100% pas d'accord. Non, sorry. 100% pas d'accord. Moi, je pense que on est égal. Si on veut être égalité des sexes, mm-hmm. c'est soit que les deux vous payez 50-50. Tu sais, moi, de la façon que Matt et moi fonctionne, c'est si lui m'invite, ouais. il paye, ou si je l'invite, on paye. Ouais. Non. Ah non, non, c'est ça, zéro une tellement... nécessité pour moi, là. Non. Puis, moi, ce que j'aime faire quand je m'en paye, 100% moi tout. Ouais, vas-y. C'est, je prends nos deux, ben, je demande au gars de sortir sa carte. Ah! On prend nos deux cartes, puis on demande à la serveuse de choisir. Ah, c'est bon. Ça, je trouve ça le fun, ben, ça rajoute un petit piquant. En même oui. temps, si tu payes pas, là, t'es contente. Puis si tu payes, t'es autant contente. Ok, ça, c'est vraiment une bonne d'azard. Ouais, j'aime ça. Prenez ça comme conseil. Oui. Ça rajoute du piquant, on dirait, dans la tête, parce que le gars est comme, ah, non seulement, tu sais, elle propose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de femmes qui proposent. Non, vraiment. Mais, tu sais, ça rajoute un petit game le fun, tu sais. Je suis 100% d'accord, puis moi, c'est vraiment pas un red flag pour moi qu'il ah, fait pas l'addition. Je pense que c'est normal, là. On s'est rendu où ce qu'on ouais. a en 2022. Ah, ah! Moi, les féministes, là. Hé! Hey! Non! Hé! Hey! Ah! Mais c'est parce que le monde, là, le monde qui se montre les montres. Le monde qui se montre les montres! C'est pas un sens sur TikTok! C'est parce que le monde, on dirait, qui pense que les gens qui sont féministes sont extrémistes. Oui! Ouais. Puis ils pensent que c'est parce qu'on veut que les femmes soient le pouvoir! Ouais! Puis ils veulent qu'on se promette les seins à l'air dans la rue! Genre partout! Genre qu'on se promène tout! Oui! Oui! Puis qu'on se promène avec des pancartes, genre. Ouais! Je suis comme, mais tu sais. N'importe qui peut être féministe. C'est ça. Techniquement, tous les humains devraient être féministes. Oui, tous les humains. C'est l'égalité des sexes. Ouais. Sans plus. Fait comme si t'es pas féministe, là on a un problème, mon chum de gars. Quand le gars ouvre son Tinder à côté de toi en first date, ça c'est pas un red flag. Ça c'est un manque de respect. Oh ouais! 100%! Et moi c'est juste, je trouve que ça prouve que le gars est pas tant intéressé à toi, parce que s'il était vraiment intéressé à toi, il serait super concentré et il se dirait pas « Hey, je vais aller voir Tinder. » Exactement. Dirais pas ça. Eh, hey, mais mon dieu, je peux même pas croire qu'il y a quelqu'un. En tout cas, même moi, quand je suis pas intéressée, mm-hmm. quand j'étais pas intéressée dans le temps, j'allais pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect. Mais toi, t'as qu'est-ce qu'on appelle du savoir-vivre. Oui, oui, savoir-vivre. Tu sais quoi? Le savoir-vivre. Oui. C'est pas tout le monde qui en a. Hein, c'est vrai, hein. Quelqu'un qui parle juste de lui ne s'intéresse pas à toi. Oh, c'est un des plus gros respects. Oh, j'haïrais ça. Ah, j'haïs ces gens-là. J'haïrais ça. T'es assis le plat de même. Mais je peux-tu parler? Ouais. Mais c'est parce que je me demande jusqu'à quel point la personne parle jamais du monde pour comme déballer. Non, mais il y a plein de gens qui sont pas intéressés aux autres dans la vie, là. C'est vrai! C'est pas inné chez tout le monde, là. Malheureusement. Fait que ces gens-là, il faut qu'ils apprennent à être intéressés envers les autres. Sinon, d'ici là, ben eux, c'est des red flags. Ouais, mais ça peut être causé. Allez, moi, je trouve tout le temps, là. Mais cela peut être causé oui, par le par fait un que leurs parents n'étaient pas présents dans leur vie, mais comme... Ils ont besoin de se confier. Oui. De se confier sur leurs richesses, leurs accomplissements de vie en oui. pour surmonter du oh, coup ouais. quoi. Du coup quoi? Ah oh, ouais. Red flag. Ça, moi, t'en es un bon. Yeah. Quand... La personne parle mal ou est bête avec le serveur. Mais quand t'es au restaurant, là. Moi, ça, je trouve, c'est un esti de gros warning. Qui tip pas. Oh, wow. Oh, oh, God. Si t'es pas, je suis. Moi, c'est turn off. Je suis outrée. Moi, je suis comme, non, laisse faire. Je vais même prendre le temps de m'asseoir avec lui puis expliquer pourquoi faut qu'il tip. Ah, ouais, ben, moi, tout, je vais être comme, hey, mais t'as pas tipé, what the fuck? Ouais, ouais, là, je vais aller voir le serveur, je vais être dans un instant de sac. Putain, ma chum! Non! Mais moi, je trouve que ça parle beaucoup sur la personne, de voir comment elle interagit avec une personne qui n'a rien à prouver. T'sais, techniquement, c'est juste la personne qui va te servir toute la soirée. 100%. Mais tu vas pas leur voir après, t'sais, cette personne-là. Fait que t'as rien à prouver à la personne. Oui, fait, mais... Comment que le gars ou la fille agit avec le serveur, ça prouve beaucoup sur sa personnalité. Ah, oh, ouais. S'il est bête avec le serveur, ciao, bye. Faut que je pisse. Ouais. Chloé est comme, c'est trop pour moi. Non, c'est réellement trop pour moi. Ça, là, c'est mon plus gros red flag à vie. Oh, ouais. Quand un gars me dit ça, je suis comme,
qu'il parle mal des filles en général, du genre « mon ex est folle ». Ah oh, ouais, ok, moi ouais, je comprends. Ouais, 100%. Non. Ouais. Non, moi, c'est tellement mon plus gros mon red flag. Mon ex est folle. Mettons, je trouve ça tellement beau, un gars qui parle en bien de son ex, il est comme... Tu sais, tu sens que c'est fini, mettons. Et il est comme, on a tellement une belle relation, ouais, je respecte vraiment, tellement cette femme-là, blablabla. Versus un gars qui me dit « mon ex est folle », je suis comme « non, là ». Il y a quelque 100%. Chose qui cloche, là. Ouais. Puis sur ça, on peut dire que Cass, elle aime la marronne. Qu'est-ce que je suis off à être comme « on l'aime, but and day, genre, elle nous inspire pas. Je suis comme « mais c'est la bouteille qui est la plus inspirante. » Ben, tu devrais pas être off parce que ça fait en sorte qu'on peut la déguster ensemble. C'est fou, moi j'en viens pas. Genre, si t'avais pas eu de la marronne, on aurait pas en ce moment, là. Mais là, j'avais de la marronne. J'avais ta marronne. Merci d'être venue sur ma chaîne, Claude, pour faire changement. On t'a dit un billet pour la fin? Oui, un bisou sur la bouche. Ah, oui. Oh, ok, oui. Ah mon dieu, t'as tellement des petites lèvres! Ouais, mais. Mignonne! Mais moi j'ai des petites lèvres, mais mon chum a des grosses lèvres! J'aimerais ça m'embrasser pour voir qu'est-ce que ça fait. Moi j'ai quand même des lèvres que je suis fière de moi. Là, t'es fière de moi, comme si c'était moi qui étais conçue. Mais moi j'ai des petites lèvres, mais je me verrais pas avec des grosses lèvres, genre. Non, ça te va trop bizarre. Non. Ça serait trop bizarre. Fait que bye! Bye! À la semaine prochaine! Oui, parce que Cass est hot puis elle sort des planches. J'étais assez assidue. Oui, c'est vrai, moi! Oh oui! 100%.